La nuit, ils rasent les murs équipés de feutres ou de bombes à peinture. Ils affectionnent les wagons du métro. Ce ne sont plus des graffitis, disent les amateurs, c'est de l'art brut. Brut peut-être, mais cher pour la RATP. Ils disent que le rap c'est pas pour toi, les écoute pas, c'est pas si dur d'en faire. Sinon t'as le graffiti sur le barin et la teinture française. Malgré les grosses descentes, on reste posé du côté sombre. Mon son s'écoute avec un pet et des lunettes de protection. Dégradation, c'est les délires d'un grand mégalomane. On encule les notables et on revient même quand t'effaces nos tags. Alerte à la bombe, cavalcade dans un vacarme. Normal le son fracas sur mon micro. Graffiti a pris 10 ans de ma vie. Moi j'ai fait ça de manière méticuleuse, sérieuse, comme un travail. Et maintenant je réalise que j'ai fait tout ça pour pas grand chose, uniquement pour le kiff. Et s'il fallait le refaire, je le referais direct.